Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Attendez, fais attention que mon micro coupe pas ce coup-ci, hein, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, là, micro coupé. Voilà, normalement ici le micro devrait être bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, sur Narcy et Ancora. Clairement, les deux bébous les gars, je suis tombé amoureux. Moi qui n'a pas réussi à choper Taras depuis qu'il est sorti en plus d'un an. Je vais aller chercher Narcy, j'ai craqué. Il est là, il est magnifique et il est incroyable. J'ai pu le tester en arène, en RTA et je l'adore déjà, hein, vraiment, je l'adore déjà, un must-have. Donc je prends le temps de faire cette petite vidéo, on est en plein CVC contre SP, on est en train de leur mettre une petite branlée. Je sais pas, on va pas créer Victor trop vite, je sais pas comment ça va se passer, mais bon voilà, hein, petite branlée contre Panda. C'est pitié avec moins 1 million quand tu vois que Tim il a fait 10 millions, mais bon, y a pas mal. Donc, on va faire une petite vidéo, enfin non c'est pas, on va faire, c'est je fais maintenant, une vidéo sur Narcisse Ancora. On va vite fait checker les spells, je vais vous montrer les stuff, les maîtrises, et après on va aller la tester en platine. On va peut-être la tester aussi un peu en RTA, je verrai, je suis pas sûr. Donc bien sûr en platine, je l'ai mis en défense toute la nuit, donc en plus comme ça vous allez pouvoir voir un peu en défense ce que ça vaut, si des mecs m'ont attaqué ou quoi. Je vais pas aller checker mon log def, on pourra aller voir si c'est intéressant ou pas à analyser. Donc Narcisse, un champion qui est un nuker PV, donc bien sûr on va aller le chercher en sauvage. Malheureusement je n'ai pas assez de stone skin pour le mettre en sauvage. Plus un tour stone skin, je n'ai pas les bijoux nécessaires. Donc, Narcisse, pour faire bref, je ne vais pas lire toutes les compétences parce qu'elles prennent 20 ans, hein, littéralement, à tout lire, les gars. Je vais faire, on va dire, un résumé. En gros, son 1, ça attaque un ennemi, ça possède 50% de chance une fois book de bloquer de 2 tours, enfin d'augmenter de 2 tours une compétence de la cible. Donc, hyper fort, hein, c'est un lock comme Warlord, etc. Surtout que si vous avez encore dans la même équipe, ça devient irrésistible. Donc, incroyable, pas besoin de précision pour réussir à lock les spells ennemis. Son A2, et un spell qui fait très très mal, hein. C'est une AOE qui ignore 25% de la def, qui ignore les buffs boucliers renforcés, et en plus de ça, ça frappe 2 fois si les ennemis sont boucliers et renforcés. Donc c'est un champion qui va énormément contrer tout ce qui va être shield, renforcé, tout ça, donc Mitrala, Marishka, le bolster, tous ces persos-là, hein, même UDK, mais énormément de shield, etc. Donc ça va vraiment très très bien contrer tous ces sets-là, tous ces persos-là. Et c'est juste incroyable. En plus de ça, cette compétence-là ne peut pas être réduite par les passifs des ennemis ou les maîtrises. Donc si une Arima, elle peut pas réduire les dégâts. Un Rotos, il peut se faire one-shot parce que du coup, son passif qui fait qu'il peut prendre, qu'il doit prendre 2 coups avant de mourir, ça marche pas. Un Taras qui fait qu'il prend moins de dégâts, ça marche pas non plus. Donc c'est vraiment un perso qui est capable de nuquer même des persos qui ont des passifs chiants et qui les rendent tanky sans aucun problème. Vraiment, c'est incroyable. On a 3, c'est un spell qui tape 2 fois, qui vient bloquer la réanimation. Excusez-moi les gars, j'ai le hooké, je sais pas pourquoi. Si jamais l'ennemi a 3 buffs ou plus, en plus de ça, ça fait plus de dégâts, plus il y a de buffs sur l'ennemi. Et si jamais il y a Ancora dans la team, parce que sinon c'est pas drôle, ça fait tour sup si jamais vous tuez un ennemi avec cette compétence. Hein, sinon c'est pas drôle. Et son passif, ça fait que si jamais il se fait attaquer alors que c'est pas le tour de l'ennemi, donc contre-attaque, allié-attaque, tous ces trucs-là, donc ça marche très bien avec le passif de Taras, il contre-attaque quand vous tapez Marishka, par exemple. Il va prendre 50% de dégâts en moins, et si vous avez encore en la même équipe, il prend littéralement pas de dégâts. C'est juste incroyable, hein, vraiment. En plus de ça, il a un super lead PV, donc le lead PV qui est vraiment incroyable dans toutes les batailles, surtout que c'est un nuker HP, et les PV c'est cool pour tout le monde. Donc pour ses maîtrises, voilà, on est allé chercher un peu de contre-attaque. J'ai hésité à prendre le double contre-attaque, mais bon, je me suis dit, bon, peut-être pas. Je suis allé chercher forcément Fracas Crâne qui ignore def. Je vous laisse le temps de screen, les gars, si vous voulez copier mes maîtrises, faites-vous plaisir. Donc j'ai pris la meilleure résistance au début parce que cette maîtrise-là est vraiment trop forte, parce que j'ai pas pu lui mettre en un tour stone skin. J'aurais mis en un tour stone skin en plus du sauvage, je pense que je serais pas allé chercher celle-là, je serais plutôt allé chercher celle-là. Donc voilà, à vous de voir comment vous stuffez votre Narcisse. Donc bien sûr, Narcisse, le stuff en sauvage, ça, il n'y a pas de doute. Donc le mien a 121 000 HP. 250 de speed, 100% de taux critique et 260% de dégâts crit. Il manque énormément de dégâts crit, hein, on va pas se mentir. Mais vu que j'avais pas de nuker PV sur mon compte, je n'ai très peu de stuff nuker PV et c'est un peu triste, je me suis rendu compte en stuffant Narcisse. Et c'est un peu ça, donc on va pas se mentir, hein. J'aimerais bien avoir un peu plus de stuff nuker PV parce que 260% de dégâts crit, ça fait un peu pitié. Vous allez voir que malgré ça, il tape quand même très fort. En plus de ça, il n'a pas de blessing. Si jamais vous chopez une grâce, moi je vous conseille clairement la petite blessing pupille du déchu. Déchu qui reste très forte pour faire tanker, hein, vraiment sur tous les nukers qui tankent, c'est incroyable. À la limite, si vous avez la 6 star blessing, vous pouvez aussi mettre polymorphe. Mais bon, en dessous de la 6 star blessing, polymorphe n'est pas si intéressante que ça parce que vous avez manqué de précision forcément pour
transformer en mouton les ennemis. Mais sinon, bien sûr, le polymorphe reste très très fort en PvP en 6 stars. Et ensuite, d'Ancora. Donc, Ancora, qui est déjà un support très très fort, rien que pour son A1, les gars. Il a un A1 qui égale à peu près celle de Sifi, tellement elle est broken. Mais qui, en plus, devient complètement abusé avec Narcisse. Donc, son A1 qui est si forte, à chaque fois qu'elle va attaquer, elle va posséder 50% de chance de réduire de 2 tours le temps d'une recharge de compétences d'un allié aléatoire. Donc ça, c'est incroyable. En RTA, c'est incroyable même sans Narcisse, parce qu'imaginez, vous avez Warlord plus Ancora, vous avez Warlord va à 3, Ancora va à 1, vous allez avoir le truc qui va proc, tour d'après, Warlord va à nouveau à 3 et relock tout le monde. Donc ça donne des trucs incroyables. Hier soir, on l'a un peu joué en RTA en live, c'est ce qui s'est passé. J'avais Yumeko Ancora. Ancora, à chaque fois qu'elle mettait son A1, elle resetait le cooldown de Yumeko, donc Yumeko pouvait re à 3 instant. L'un de Ancora ne reset pas Renegade, Krixia et Kimar. Voilà, petit bémol, hein, je le dis. Ça ne reset pas, ça reset Yumeko par contre, mais pas Kimar, Renegade et Krixia. Simplement. Ouais. Si Narcisse se trouve dans la même équipe en plus, ça va réduire les cooldowns de Narcisse. Parce que sinon, bah, bien sûr, c'est pas assez drôle. Hein, donc forcément, Narcisse, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, qu'il n'y a que 3 tours de cooldown sur son A2. Donc ça fait que si jamais ça proc son A2, il peut spam les A2 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que c'est un spell abusé. J'ai plongé sort et spell. Donc clairement, c'est insane, hein, les gars. C'est vraiment insane. Et si jamais Narcisse n'a pas de cooldown et qu'il est dans la même équipe, ça va réduire celle d'un autre allié. En plus de ça, ça soigne de 10% épée max d'un champion. Si jamais le temps de recharge est complètement... est complètement reload, complètement rechargé. Bah, rechargé, c'est écrit littéralement, je sais pas lire. C'est pas grave. On a deux qui est un Clint qui met un bouclier et un buff renforcé s'il y a Narcisse dans la même équipe. Vraiment cool, hein, clairement. En plus, ça booste un peu la TB, donc c'est pas dégueu. Booste la TB, ça permet de jouer plus vite. En RTA, par exemple, ce qu'on veut, c'est jouer. Donc c'est vraiment parfait pour la RTA, hein. Rien à redire là-dessus. Jouer, c'est le plus important. Donc booste la TB, c'est très cool. Ensuite, son A3 qui est un res qui est très 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 fort, je trouve. Ça res un allié, c'est tous les 3 tours. Donc c'est pareil, Ancora est un perso qui a 3 tours tous les 3 tours et qui a une A1 broken. Donc vraiment, un perso aussi qui est hyper intéressant parce qu'elle récupère ses cooldowns tout le temps. Vraiment, tout le temps, c'est aberrant. Vous allez voir, en plus, moi je les stuff d'une manière un peu spéciale et du coup, on a l'impression qu'elle a tout le temps ses spells. Donc ça réanime un allié avec 50% de PV et 75% de compteur de tour, donc qui a un res vraiment correct, hein, c'est pas dégueulasse, c'est vraiment cool. Et ce qui le rend broken, c'est que ça réinitialise, excuse-moi, les temps de recharge des compétences de l'allié réanimé. Ça, vous en doutez, c'est complètement abusé. Hein. Vous raisez une Sifi, bah, la Sifi récupère tous ses spells, vous raisez un Nuker, par exemple, votre Taras, il a déjà utilisé son A3, il meurt, elle reste Taras, Taras remet son A3 tout de suite après, c'est stupidement fort, c'est complètement pété. Et en plus de ça, si jamais il y a Narcisse, enfin si jamais elle reste Narcisse, ça le reste lui avec 75% de PV et 100% de compteur de tour. Et en plus de ça, ça va break la TB ennemie de 10% si c'est pas Narcisse. Et si c'est Narcisse, ça le réanime, ça booste la TB, non, ça réduit la TB de 20% et c'est irrésistible en plus, donc pas besoin de précision. Donc vraiment, c'est un perso qui prend toute sa splendeur en duo avec Narcisse, mais c'est un perso qui est un très 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 bon support, même toute seule. Clairement, moi maintenant en RTA, c'est ce que je fais, quand on me pique Sifi en face, je ne pique plus Lilithu, je pique Ancora. Et c'est pas une vanne, parce que même sans Narcisse, elle est très très bonne, vraiment, elle est excellente. Ce mob, je le trouve vraiment incroyable pour le PvP, et je pense qu'elle va être aussi très très forte avec Narcisse sur l'Hydre. J'ai pas pu tester encore sur l'Hydre, les gars. On va sûrement le tester dans la vidéo, on va voir ce que ça donne, mais vraiment, le mob a l'air incroyable, même en Hydra. Donc, son passif qui est aussi abusé, c'est dès qu'un ennemi, il essaye de placer un contrôle, n'importe lequel, sur l'allié qui a le plus dégâts crit, ça se transfère sur cette championne, et s'il y a Narcisse dans l'équipe, elle se cleanse à chaque fois qu'elle joue du debuff contrôle en question. Donc, ça fait que vous pouvez pas vous faire contrôle votre nuker avec le plus des dégâts crit par l'ennemi s'il y a Narcisse plus Ancora. Et en plus de ça, si jamais il n'y a pas Narcisse et que du coup elle peut pas jouer à cause du debuff contrôle, elle s'auto-boost 50% son ATB, ce qui est vraiment intéressant. Clairement, on va pas se mentir, c'est vraiment insane. Et son aura vitesse dans toutes les batailles de 19%, donc une aura incroyable, hein, la speed c'est ce qu'on veut partout. Donc très très cool, ça c'est pareil. Pour les maîtrises, je suis parti là-dessus les gars, hein, je ne joue pas ma Ancora en résiste du tout. Parce que vous allez voir pourquoi, moi je la joue en implacable, en relentless, donc ça permet de jouer plusieurs fois, et vu qu'il y a que 3 tours de cooldown sur ses sorts, bah en fait, pas besoin de résil, on s'en fout, même si elle se fait lock en RTA ou quoi, bon bah c'est pas dérangeant de récupérer ses sorts hyper vite.
Donc voilà les maîtrises, je vous laisse screen les gars ce que j'ai fait. Je pense que j'ai mis plus ou moins les plus optis pour moi, hein, clairement. Je vais chercher un peu de contre-attaque ici, parce que son 1 est incroyable, hein, clairement on va pas se mentir. Donc pour son spell, comme je vous disais, pour son kit plutôt, oh là là, qu'est-ce que je raconte, pour son stuff. Pour son stuff les gars, comme je vous l'expliquais, je suis parti sur de l'implacable 1 tour stone skin. Donc j'ai la chance d'avoir des bijoux stone skin dans cette faction, donc j'ai mis 2 bijoux stone skin. Bon comme vous voyez malheureusement, hein, c'est du 5 stars, j'ai pas mieux, hein, j'ai pas mieux, si j'avais mieux, j'aurais mis mieux, mais bon, c'est du 5 stars, c'est déjà bien. Et bien sûr, je lui mets un stuff implacable, ce qui lui permet de tour sup tout le temps, ce qui fait qu'elle a tout le temps ses sorts, elle va reset tout le temps les sorts des alliés, et ça peut devenir complètement broken, complètement stupide, et même complètement annihiler un Warlord ou New Meko qui est en face. Ça m'est arrivé en RTA que le mec pique Warlord, je lui banne pas Warlord, il me lock toute mon équipe, encore à pète un câble, elle tour sup 4 fois, elle reset le cooldown de toute mon équipe, son Warlord n'a servi à rien. Donc voilà, ça c'est magnifique quand ça arrive, c'est vraiment sublime, il n'y a rien à dire. Donc, elle est forcément, le but c'est forcément de la stuff très tanky, donc comme vous voyez, elle a 91 000 HP, 4500 de def. Alors malheureusement, vu que je voulais la jouer assez rapide quand même, j'ai pas réussi, le mieux je pense, c'est de la mettre à 100 000 HP et 4000 de def. Elle a un peu trop de def pour pas assez d'HP, mais bon, avec autant de speed, j'arrivais pas à faire mieux. Donc ça reste quand même correct, hein, 91 000 HP et 4500 de def, c'est vraiment correct. 320 de speed, pas besoin de rési, pas besoin de précis, on s'en fout. À jouer avec Ancora, c'est irrésistible, donc pas besoin. Je monte vite fait les autres champions que je vais jouer en arène classique, les gars. Donc Lydia et Yumeko. Ma Lydia, les gars, c'est ma Lydia dont j'en ai rien à foutre. Hein. C'est ma Lydia basique, hydre, vraiment. Hein. Pff, elle a rien d'extraordinaire. C'est ma Lydia malédiction hydre basique. Je ne l'ai pas stuff spécial pour l'arène ou quoi. Pff, elle est tout à fait basique. Et pour ce qui est de Yumeko, c'est pareil. C'est ma Yumeko arène classique, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. 350 de speed, 800 de précis, Yumeko tout à fait basique, on pourrait utiliser normalement. Alors, forcément vous vous doutez bien, ce perso est incroyable pour contrer les Taras Marishka. Donc déjà on va checker, comme je vous disais, je l'ai mis en def, j'ai mis Narcisse, Ancora, Fi et Marishka, donc une assez bonne def, clairement bien tanky, bien relou. Et voilà, donc bon, il y a des mecs qui sont, oui, il y en a qui sont acharnés, hein. Effectivement, ils se sont acharnés. Bon, je vois pas trop. Voilà un petit Taras, il a pas réussi à passer. Un autre Narcisse, c'est pas passé non plus. Il a tenté avec Helicat, ça a pas marché non plus. Krixia non plus. Mais là, il a même pas mis de nuqueur. Là, je crois qu'il a mental boom, le ref. Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment intéressant, même en défense. Je pense pas que ça équivale Taras Marishka en défense, clairement pas. Je suis assez haut en platine, 128ème. Donc on va essayer de trouver une Taras Marishka, bah voilà, parfait, petite Taras Marishka, et on va aller l'affronter. Alors, le mob, si vous n'avez pas Krixia, se fait quand même assez facilement, entre guillemets, contrer par tout ce qui est, qui va être, ah merde, j'aurais dû, oh, excusez-moi, je pensais que c'était, bon c'est pas grave, par tout ce qui va être les, comment dire, je sais plus ce que je voulais dire les gars, ah oui, par les full tour stone skin. Ça, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. S'il y a full tour stone skin, bon là, j'ai fait de la merde, les gars. J'ai pas checké ce qui se passait. Au lieu d'A2, hop, voilà, ça réduit les cooldowns. Donc ça, c'est aberrant. Hein. Genre, j'ai A1 grâce à l'implacable et ça réduit les cooldowns. Voilà, ça réduit les cooldowns. Ça fait, j'ai déjà récupéré mon A2. Elle se cleanse elle-même. J'ai res la petite Yumeko. Je tour sup. J'ai A1 pour espérer reset les cooldowns. Bon, j'ai pas réussi, malheureusement. Ça arrive, c'est pas dérangeant. Bon là, le fight va durer un peu longtemps parce que je me suis mangé une RNG de merde. Ça arrive, hein, ça arrive. Sauf vous allez voir plusieurs fights, les gars. Hop, il va revive. C'est pas bien dérangeant. On vient lock le petit Taras. Je me fais contrôler. Pff, on s'en fout. Tour sup. Allez, reset les cooldowns. Voilà, il reset les cooldowns. On va venir lock le Taras. Comme ça, le Taras, j'ai pas à le craindre. Hop. Et forcément, vu que Ancora est complètement abusé et reset les cooldowns de lui, j'ai encore son A2. Vous avez vu? Il a fait que mettre des A2. Vraiment. Hein. Il a fait que mettre des A2 tout le fight. Je trouve ça complètement con. Bon, je me suis mangé une RNG de merde. Je l'ai fait en auto en plus. Enfin, je l'ai fait en manuel au lieu de l'auto. Ça a pris 1 minute 30 pour une Taras Marishka plus une Sifi. Donc c'est clairement incroyable. Hein. Je pense que si la RNG avait été bonne. Je l'aurais pété en, allez, une minute, un peu moins même, peut-être. Hop, donc je vais peut-être utiliser Warlord de temps en temps aussi, les gars, pour être sûr d'outspeed. Donc, une autre Taras Marishka.
On laisse en automatique. Bon, voilà. Là, vous voyez, il a full stone skin, le gars. Donc là, en full stone skin, ça va être beaucoup plus chiant, forcément. Hein. Et on va revoir la méta. Bon, voilà, Taras qui dégage instantanément. On va revoir à mort la méta full stone skin. On va très vite revoir full perso double stone skin. Même les Taras, il y a des chances qu'on risque de les revoir en full stone skin, double stone skin. Ça va être plutôt chiant. Mais bon, écoutez, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. Hop. Voilà, Narcisse, à nouveau son A2. Là, il faudrait que j'arrive à la tuer, elle, avec la 3 de Narcisse. Comme ça, il tour sup instant et il peut annihiler le reste. Bon, le plus long, à chaque fois, c'est les UDK. Ça, ça n'a pas changé. Ça a toujours été le cas. Bon, malheureusement, là, j'ai pas de peau. Ça veut pas reset. Ça veut pas retour sup non plus. Ça arrive, c'est pas grave. Kumeko vient reset les spells. Hop, les chip, on s'en fout. Allez, elle veut vraiment pas reset les... Voilà, il a bloqué l'area du machin. Ah, je... Ils l'ont pas patch. Alors, on va parler d'un autre problème. Tiens, ça tombe bien. On va parler d'un autre problème. Le blocage de réanimation te moutonne. Ce n'est pas normal. Hein. Pour ceux qui se posent la question, c'est absolument pas normal. Hein. C'est un gros bug du jeu. On l'a déjà remonté, Shiny l'a déjà remonté aussi, j'ai vu. Mais Plarium n'a pas l'air de l'avoir patché. Ils avaient annoncé qu'ils l'avaient vu et qu'ils s'en occupaient. Plarium, vous en êtes occupé, vous êtes sûr? J'ai quelques doutes. Donc là, vous allez voir, voilà, parfait. Ça, c'est un bon exemple. À mon avis, ça va être du... comment on appelle ça? Ça va être du full speed. Et les deux là, ça va être du stone skin. Donc ça, malheureusement, sans cleanse, donc sans strip plutôt, genre comme Krixia, ça ne passe pas du tout. Ouais, voilà, comme vous voyez, c'est... bon, là, il n'y en a qu'un seul en stone skin. J'ai déjà vu des mecs avec double stone skin, et ça, malheureusement, ça ne passe pas sans Krixia, parce que bah, il n'y a pas de shield, donc forcément, Narcisse va pas taper deux fois. Ils ont tous du stone skin, donc forcément, bah, pendant deux tours, tu peux rien faire, et c'est infernal. Donc, je vais juste mettre une à un pour lock son cooldown à lui. C'est pas bien dérangeant. Hop, tiens, prends ça. Qu'on va la réinstant. Elle va recrever, c'est pas grave, elle prend le focus. Et là, est-ce qu'on n'attendrait pas que la Marishka... Ouais, parce que là, voilà, j'ai manqué de dégâts. Après, comme je vous le disais juste avant, je ne crains pas la contre-attaque des Taras. La contre-attaque des Taras est pas dérangeante. Bon, par contre, vraiment, là, le jeu, il se fout de ma gueule. Je vais perdre là-dessus, les gars. Elle a attaqué 4 fois. Aucun moment, elle a réussi à... À aucun moment, elle a réussi à reset les cooldowns de Narcisse. Donc bon, ça arrive. Hein, ça arrive, comme je vous le disais, les doubles Taras. Normalement, je vais éviter de les taper avec cette compo parce que s'il y a du stone... Je me fais niquer. Les Taras stone skin, clairement, en double Taras, c'est ce qui devient embêtant parce que ça a assez de dégâts pour pouvoir tomber... Là, encore, avant que je puisse les tomber les siens. C'est chiant, c'est casse-couille, hein, mais ce genre de team, je les crains pas spécialement, je pense, en roche plate, parce que ce genre de mecs qui mettent des teams pareils, ils se font annihiler par les Georgides. Ça, un Georgide, il se régale. Vraiment, un Georgide, ça, c'est une bouchée de pain pour Georgide. Donc, je pense pas qu'on doit vraiment craindre ce genre de mecs pendant les roche plates. Hop. Ah ouais, t'as déjà cyclé mon ref. Bon, forcément, sans le shield, je manque de dégâts. Emma Ancora va crever et c'est fini. Bon, voilà, comme je vous le disais, double Taras. Je vous l'ai dit en plus, je le sais, on l'a testé hier en live. Double Taras avec un Taras en stone skin, c'est pas tuable si vous avez pas Krixia. Bon, je me doute que la plupart d'entre vous n'ont pas Krixia, les gars. Hein. Donc forcément, le champion a des faiblesses. Hein. C'est pas non plus le meilleur champion du jeu. Hein. Taras reste fiable en nuker, mais moins bon en attaque pour contrer d'autres Taras Marishka. Hop. Les team speed aussi, ça va être chiant. Si vous n'avez pas une Yumeko à 400 de speed, je pense, et la majorité quand même des gens. Mais là, vu qu'il y a du shield, il devrait quand même faire très très mal le Narcisse. Bon, voilà. Et là, comme vous voyez, là, on voit aussi que je manque un peu de dégâts. Je manque un petit peu de dégâts.
les deux se seraient fait one shot et je l'aurais 20 secondes si jamais j'avais eu les... Je sais plus combien de dégâts il me manque à peu près. Il doit me manquer quelque chose comme une petite vingtaine de dégâts crit, donc la blessing en soi. 35 secondes hein, sur une team très chiante avec double rest Taras Mariska. Voilà quoi, c'est vraiment pas dégueu. On peut essayer de taper Husky, même si Husky, à mon avis, c'est, ça va être... Je vais me faire péter la gueule, mais pas au niveau de la compo, là, ça va être surtout niveau stuff, à mon avis. Voilà. Le Taras à 400 de speed, bon, on le sent passer, quoi, j'ai envie de vous dire. C'est Husky, hein, les gars. C'était sûr que niveau stuff, ça allait être une dinguerie. Et au final, je suis en train de me dire, il y a un monde où ça passe quand même. Il y a un monde où ça passe quand même, les gars. On va voir ça. Je fais mouton, ça c'est moyen. Hop. Pas les dégâts pour la tomber. Hop, on va raise Yumeko, comme ça. Ah. Allez Yumeko, s'il te plaît, joue. Quand même, t'as quand même 350 de speed, respecte-toi. Alors, là, la vraie question, c'est est-ce que j'ai 2 et je prends le risque. Ça va, je manque beaucoup de dégâts, donc en final. Tranquille, ça a passé sur Husky, je pense. Ça a quand même passé sur Husky. Hop. Bon, son A3 manque de dégâts, surtout si elle met qu'un coup, hein, vous le voyez, on va pas se mentir. A3 manque énormément de dégâts, surtout si ça met qu'un coup. Bon, si la slip tout le temps, ça va être très chiant. Ah, j'ai pas encore la 2. Hop, on vient la revive. Elle récupère ses locks, bien sûr, parce que c'est le principe même du mob, j'ai envie de vous dire. Donc, on va lock instant le Taras. Hop, bien sûr, je prends pas de dégâts sur la contre-attaque du Taras, parce que sinon c'est pas drôle. Il reset les cooldowns de Narcisse. Et Narcisse vient finir le travail. Oh, abuse Narcisse. Voilà. Bon, et là, ça va venir finir le travail. Romain automatique. Narcisse, tue-le. Fais pas de dégâts, là. On est où? Donc, et bah non, il veut pas tuer, mais il va tour sup. Voilà, bon. 2 minutes 25, les gars, on est sur un des mecs qui a le plus de stuff du jeu. Hein. En plus, vous pouvez le voir. 6 stars, plus 2, plus 2, plus 3. On est sur potentiellement un des mecs qui a les meilleurs stuff du jeu. Doit être dans le top 10 des meilleurs stuff du jeu. 2 minutes 25, c'est vraiment pas dégueulasse. Surtout que bah malheureusement, je me fais mouton Malidia. Il s'est passé 2-3 merdes dans mon cas. Narcisse, 1 247 000 de dégâts. Bon. Je pense que Narcisse est validé, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en les coms. Mais je pense que Narcisse est validé. Vraiment, hein. Je pense quand même que Narcisse est validé. Bon, voilà. Voilà. Ça, c'est ce que je vous parlais. C'est ce qui va se passer. Il va y avoir du skin à foison. Et ça va être, chiant de fou, en fait. On casse les couilles. C'est chiant, le stone skin. On aime pas ça. Ça rend les combats longs. Inutilement, j'ai envie de vous dire. Je déteste ça, le stone skin. Et malheureusement, je crains qu'on va voir que ça à foison du stone skin. Tonnes et des tonnes de stone skin. Ça va nous rendre fous. Hop. On va attendre qu'elle, elle mette un shield. Comme ça, j'ai one shot toute son équipe d'un coup. Donc. Ah ben je suis con, bah ouais je suis con. C'est pas grave, ça va passer quand même. Je veux dire, attendre qu'elle joue avant de lock. Alors là j'aurais pas dû mettre en auto, j'aurais dû remettre en manuel. Pour qu'elle puisse... pour que Narcisse a 1. Pour avoir, voilà, pour reset son spell. Comme ça lui, il re a 2 direct. Et voilà, c'est gagné. Hop, bien sûr, hein, pour ceux qui comprennent pas, les gars, je pense que vous avez compris maintenant. Lydia est là pour empêcher le revive de la Mariska. Hein, sinon, les combats durent trop longtemps et on n'a pas que ça à foutre. Hein. Encore un très gros joueur, 2 trophées et en 1 minute 20, c'était safe. J'ai jamais été mis en difficulté. Pff,
pas trop de problèmes, hein, vraiment. C'est clean de fou. Le mob, vraiment, je le trouve insane. Je suis amoureux, les gars. On va pas se mentir, là, je suis amoureux, les gars. Amoureux d'un mob sur Red, hein. La lose. Ah bon, bah là, pareil, j'aurais dû reprendre en Manu. C'est un d'A3. Hop. Ça suffit pas à tuer. C'est pas bien dérangeant. Là, la full buff, j'aimerais bien vous montrer le bloc revive sur une Marishka ou sur la Sifi. Hop. Bon, après, je dis ça, mais si je récupère la 2, je crois que je récupère la 2. Je vais re-A2 instant, hein. Et c'est gagné. Bah ouais, c'est ça, hein. Je vais re-A2 instant et c'est gagné. Hein. Il manque elle. Ah, elle est en rési. Elle est en rési, la connasse. Elle va arriver avec Marishka, bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Hop. Hop, c'est pas grave, parce qu'on tour sup. Eh ouais, 146 000. Elle revive tout le monde, mais moi j'ai tour sup, et j'annihile toute son équipe. Une minute, bon après c'est un petit level, hein. Mais bon, il a quand même une bonne défense, on va pas se mentir, elle est plutôt jolie. Ensuite les gars, on va la tester en hydre. En vrai, premier degré, même moi je suis curieux, on va tester ça en hydre. Oui, on s'en fout. En hydre, voir ce que ça va donner. On va créer l'équipe ensemble, comme ça vous voyez tout. Donc, on va mettre Ancora, Narcisse. Donc sur une team hydre, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir une Hugo, un petit Krisk. Un petit Krisk, un petit Krisk. Est-ce que j'ai un petit Krisk qui traîne? Je dois avoir ça. Un petit Krisk. Il va falloir quoi? Une Hugo, d'autres nukers. Un autre nuker. On va la comparer avec quoi? Akrisia. Après, Akrisia, je sais pas si c'est un bon comparatif. Je pense pas que grand monde est Akrisia. On va mettre un géomancien. Comparatif géomancien, je pense que c'est une bonne idée, les gars, vu que géomancien est quand même un gros dégât. Hop, petit comparatif géomancien. Et on va mettre en dernier une Hugo pour le bloc buff. Si je trouve une Hugo dans ma box. Voilà, parfait. Donc forcément, premier choix, ça. Deuxième choix, ça. Narcisse, premier choix, ça. Lui, premier choix, ça. Magnifique. On va laisser en auto. On va mettre premier choix, ça. Et elle, on va mettre premier choix, ça. Et on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr qu'Akrisia soit vraiment la meilleure idée, parce que du coup, je suis pas sûr qu'on va vraiment voir ses dégâts. Et je vais laisser le run en automatique, les gars. Je vais le mettre en accéléré sur la vidéo. Moi, je vais cut ma cam le temps que le run se passe. Et puis, bah, tout de suite, je mettrai en accéléré, comme ça, vous allez pouvoir voir. On va laisser tout le run en entier se défiler. Et je vous reprends à la fin du run pour voir combien de dégâts ça a fait. À tout de suite.
On arrive sur la fin du run, les gars. Ouais, pourquoi la luminosité est comme ça, là? Oh. Eh, la cam, Kong. Ouais, c'est pas grave, la vidéo, elle va finir, elle sera blanche fluo, les refs. Je serai tout blanc, là, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, on arrive à la fin du run, tout simplement. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer, les dégâts, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc. 25 millions en brutal, bon c'est pas non plus extraordinaire, c'est de l'automatique. Et maintenant on va pouvoir comparer les dégâts. Donc, ouais, bah forcément géomancien 14 millions parce que géomancien était en automatique et géomancien automatique c'est de la merde. J'aurais peut-être dû plutôt mettre un garde royal je pense pour pouvoir comparer. On est sur Acridia 112 millions, Narcisse 63 millions. Donc ça me semble vraiment pas dégueu les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça me semble vraiment, vraiment, vraiment correct, hein, clairement. 63 millions de Narcisse. Ça me semble vraiment intéressant. Enfin, ça me semble vraiment, vraiment correct quand tu vois qu'Acrisia a fait 112 millions. Il y a 50 millions d'écart à peu près. Donc, c'est plutôt raisonnable, hein, 50 millions d'écart entre Narcisse et Acrisia. De toute façon, c'est clairement le meilleur perso hydre. Patron d'art, bien évidemment. Donc, pourquoi pas, à jouer en duo avec Ancora, ça me semble quand même moins fort qu'un Taras Marishka. Taras Marishka, forcément, en hydre, hein, c'est abusé, mais ça me semble un peu moins fort quand même avec Narcisse. Mais ça me semble quand même tout à fait correct. Donc, normalement, j'ai tout dit, les gars. J'ai fait une vidéo, je l'ai montré en PVP sur l'hydre. Donc, sur ce cas, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour ça, vous abonner, lâcher un like, venez me voir sur Twitch tous les soirs 20h pour rejoindre le Discord. Lâcher un com pour référencement. Bye bye tout le monde.